Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans ma balle. Ça va être une petite vidéo dans ma balle assez spéciale parce que je vais vous montrer uniquement des carnets d'amitié que j'ai reçus cette semaine. Je vais également vous montrer la page que j'ai faite sur le carnet d'amitié de Nomami Créa que je vais envoyer maintenant donc à Nadia de la chaîne Un éclat de Créa. Je vous mettrai sa chaîne ici sur le petit i et également en barre d'infos. Nomami Créa, elle n'a pas de chaîne, mais c'est son Instagram, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc je vous montre rapidement ma page. Donc j'ai utilisé en fait les peintures métalliques de chez Action pour faire cette rose avec un pochoir et puis également les bambous. Donc ce sont des pochoirs que j'ai. J'ai utilisé des petites demi-perles comme ça, un peu dorées cuivrées, et j'ai également écrit ici donc en embossage à chaud avec un tampon de chez Stampin' Up, salut, et ici donc petit tampon que j'ai fait venir de chez Tonton Ali, je scrape donc je suis, voilà. Et de ce côté, donc j'ai uniquement embossé à chaud également donc les petits cadres comme ça. Ça c'est les nouveaux tampons de chez Action en bois, donc comme ceci. Donc j'ai fait trois tamponnages avec embossage à chaud, donc dans les tonalités dorées. Et puis après j'ai écrit au milieu donc mes coordonnées. Donc on a ma chaîne YouTube, mon Insta et mon adresse mail. Donc 100% Adit. Ça c'est également, ça vient également de chez Tonton Ali, et j'ai également embossé avec de la poudre dorée, et puis à nouveau les petites demi-perles. Donc ça c'est ma petite page, donc ça va suivre maintenant donc directement à Nadia. Je vous montre la petite carte que j'ai faite pour Nadia, donc je vais envoyer avec le carnet d'amitié. Donc elle se trouve comme ceci. En fait Nadia m'a trouvé des petites choses de chez Action que j'avais pas trouvé, et du coup pour la remercier j'ai fait cette petite carte. Donc du coup là c'est le tampon de chez Stampin' Up avec également donc la découpe de perfo. J'ai juste ancré au bord. Ici aussi c'est une découpe de la avec en dessous aussi le tamponnage de chez Stampin' Up, donc du kit Pop of Petals. Et ici donc pareil, ça vient dans le kit Adorable Marguerite que je viens juste de recevoir. Ta gentillesse a égayé ma journée. Voilà, avec des demi-perles roses. Ici j'ai mis le ruban de chez Action. Et ici j'ai tamponné donc des petites fleurs qui viennent également dans le kit Pop of Petals. Voilà. Donc ma petite carte pour Nadia. Du coup j'ai décoré une petite enveloppe comme ça avec le washi en tissu. Et j'ai mis ici un petit tamponnage aussi. Félicitations, tu es sans sas. Donc qui vient également du kit étiquette mignonne que j'ai fait venir de chez Stampin' Up dans ma dernière commande. Donc je passe maintenant au carnet d'amitié de Sophie Scrap qui est arrivé de la part de Chris de la chaîne Chris Colors. Donc je vous mettrai la chaîne de Chris Colors ici sur le petit i et également en barre d'infos. Je vous mettrai également la chaîne de Sophie Scrap donc sur le petit i et en barre d'infos. Je vous montre donc le carnet, c'est un carnet de voyage de l'amitié. En fait, elle nous demande de scraper sur notre ville en fait. Ça peut être notre ville de naissance, la ville où on habite, ou juste la région. Donc du coup là, on a une première page qui a été scrapée par Iléa, ensuite par Agnès Luizet. Donc toutes ces chaînes, je vous les mettrai en barre d'infos. On a ici donc une autre page qui a été scrapée par Cynthia Créa. Ici par Sylvie Scrapsil. Et ici par Domi Scrap. Et pour finir, donc la page de Chris Colors. Donc sa région, c'est Bisounoursland, Licornland. Voilà. Et puis il me reste, en fait, il reste deux pages à scraper, donc qui sont pour moi. Et je le retournerai donc ensuite à Sophie, donc de la chaîne Sophie Scrap. Voilà. Il est très très beau son carnet de voyage, j'aime beaucoup, et puis c'est un super concept aussi du coup de scraper sur notre région. Donc voilà, je vais remplir ceci puis, et je te le retourne dès que possible Sophie. Donc ensuite je passe au carnet d'amitié qui me vient de Cynthia C de l'île de la Réunion.
Donc, c'est le carnet d'amitié, en fait, de Atelier de Val 0219. Donc, je vous mettrai le lien de sa chaîne ici sur le petit i et également en barre d'infos. Et Cynthia C, il me semble qu'elle a un Instagram, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Donc, du coup, il se présente comme ceci. Donc, on a une très, très belle page comme ça de début avec un petit papillon qui a été joliment scrappé. Après, ici, donc, carnet de l'amitié avec un petit personnage. Après, on a les conditions. Donc, également, ses débuts en scrap. Le mode d'emploi. Donc, toujours des pages qui sont très, très joliment décorées. Ici, donc, en fait, c'est l'adresse dans ce tag de Valérie. On retrouve également ici, donc, une petite page avec des petits paperclips, en fait, où... on peut mettre en fait des petites scrap bidouilles. Ici, elle a fait un calendrier où on peut en fait noter selon le mois où on est né, notre jour de naissance avec notre prénom devant. C'est très original aussi. Donc ici, il y a la liste des participantes. En fait, elle a fait une liste et on doit suivre la liste. Donc du coup, moi, je sais déjà à qui je vais envoyer le carnet. Ici, donc, si on souhaite, on peut mettre des ATC. Donc, si on récupère celle que la personne avant a laissée, on peut remplacer. Donc, moi, je vais les récupérer et je remplacerai par d'autres ATC. Donc, du coup, j'ai celle-ci qui thème cerf-volant. C'est la 7 d'une série de 10. Elle a été faite le 9 juillet par Cynthia C, donc de l'île de La Réunion. Et celle-ci, donc, ici, écrit Dream, rêve. Et le thème, c'est chat alors. Et c'est la 3 d'une série de 4. Elle a été faite le 18 août 2018. Voilà. Donc, c'est super cool. Alors, j'ai aucune indication d'Instagram derrière les ATC. Donc, peut-être qu'elle n'a pas d'Insta. Mais voilà, c'est son pseudo sur YouTube, c'est Cynthia C. Donc, si vous voyez en commentaire, n'hésitez pas à lui proposer des échanges. Elle est un petit peu loin, mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et ce sont les premières créas du coup que je reçois de sa part. Ensuite, on a la page de Cynthia, qui est magnifique, sur l'île de La Réunion. Très très belle page. Voilà. Très très jolie. Et donc, derrière, elle a écrit en fait un petit mot où elle raconte un peu ses débuts en scrap. Et puis maintenant, c'est à moi d'écrire en fait mon mot ici. Donc, Valérie, elle a tout bien noté pour qu'on suive toutes ses consignes. Et ici, donc, ce sont mes pages de scrap. Voilà. Donc, j'espère que, du coup, tu vois cette vidéo, Cynthia. Le carnet est bien arrivé. J'étais ravie de recevoir tous vos carnets d'amitié. Merci beaucoup de votre confiance, de me les avoir envoyés. Je vais essayer de les remplir au plus rapidement possible pour pas qu'ils stagnent trop longtemps chez moi. Comme vous savez toutes et tous, je suis extrêmement en retard dans mes envois. Mais ne vous inquiétez pas, ils partiront dès que possible. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Ciao, ciao!